Bienvenue dans la Maison des Secrets. Cette semaine, Ben a décidé de quitter l'aventure. Mais avant de partir, il laisse un message à Anaïs et Julien, leur conseillant de se rapprocher. On a l'accord du padré, donc c'est cool. Et voilà, on va laisser les choses faire et laisser le temps au temps. On verra bien comment ça se passe par la suite. Mais selon Clara, entre Julien et Anaïs, les choses ne vont pas assez vite. Et tel Cupidon, elle décide de leur donner un petit coup de pouce. On va dormir avec lui. Mais dans la Maison des Secrets, une romance en cache souvent une autre. Depuis plusieurs jours, Vincent se rapproche d'Émilie, ce qui rend très jalouse Alexia. T'es amoureuse de lui ? Et pour corser le tout, la voix a confié une mission à Sonia. Cette semaine, elle doit faire croire aux habitants qu'elle aussi a un coup de cœur pour Vincent. Et Eddie tombe dans le panneau. Je suis restée comme ça, quoi. Oh ! Non mais réagis, meuf. Je sais pas, t'es là, Vincent, Sonia. C'est impossible. Seulement voilà, dans la maison, il n'y a pas que les cœurs qui s'échauffent. Un événement va chambouler toute la maison. Morgane veut quitter la chambre d'Anaïs. Et surtout, surtout, ne plus revenir dans la chambre rose. La tension monte et une violente dispute éclate entre les deux filles. Ici, il y aura toujours des critiques, et moi la première. Oh, je te jure, tout le monde me fait craquer ici, j'en ai ras le bol. Une dispute qui cache en fait le début d'une guerre des clans. Nous, on veut vraiment créer un noyau. On aimerait bien aller les quatre en finale, et d'où l'idée de ce clan à quatre. Julien, Anaïs, Vincent, Alexia et Eddie sont dans un clan. Et les autres habitants restent unis ensemble. Seule Sonia cherche encore sa place. Et aujourd'hui, vous allez voir que la guerre des clans est plus présente que jamais. Tout le monde te réveille quand tu manques pas de respect. Okay. Voilà, et franchement, c'est la dernière fois que je te le dis gentiment. Le clan de Vincent n'a qu'une idée en tête, les battre coûte que coûte. Que Nel. Pour l'instant, j'ai la plus grosse cagnotte, donc que Nel aussi sur moi. Pas d'histoire. Ne rentre pas dans son jeu, il est débile. Et vous allez découvrir que Sonia va tout faire pour apaiser les tensions avec Vincent afin de réussir au mieux sa mission. Pourquoi j'ai craqué sur toi ? Ça me touche. C'est vrai ? Secret, clan, tension et séduction, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Depuis un certain temps, la menace plane, mais cette fois, ça y est, la première guerre des clans de la saison sévit dans la maison. On change de chambre, on échange des stratégies, on chuchote dans le dos des voisins. D'un côté, il y a les AA. Anaïs, Alexia, Julien, Vincent, Eddie, et de l'autre les GG, Gauthier, Guillaume, Clara, Émilie, Florine, Morgane et Sabrina. Reste Jamel qui, lui, se cherche encore un petit peu. Et Sonia, elle qui va d'un clan à l'autre. La maison est coupée en deux dans la journée, mais aussi pendant la nuit. Cette nuit, le clan de la chambre rose a empêché de dormir celui de la chambre bleue. La guerre des nerfs commence, et de bon matin, les roses ont réalisé un vrai tour de force. Les bleus sont verts de rage. Les habitants de la Maison des Secrets se connaissent depuis 3 semaines. 21 jours à s'apprivoiser, s'identifier, se percevoir. Et depuis quelques heures seulement, la vérité sur les affinités a éclaté. Un mur s'est dressé entre eux. La guerre des clans est déclarée. Surtout après une nuit si agitée. Quand on te demande de dormir gentiment, je sais plusieurs fois qu'on te dit « s'il te plaît, tu peux me laisser dormir ». Tu avais besoin encore cette nuit de rentrer, de crever un ballon dans la chambre, ça te fait quoi en fait ? C'est ça. Non, c'est juste qu'on s'est tapé un gros délire à 8h du mat. Anaïs. Alexia,
intéressant. Ah, c'est génial, c'est le carton plein. Non, je ne suis pas. Non, mais vous allez l'envoyer au casse-pipe. Et Nounou, il t'y va tout. Ils n'ont pas trouvé mieux que de nous réveiller en crevant les gros ballons qu'on avait dans la piscine. Et voilà, moi j'ai le sommeil très léger, donc j'ai eu super peur. Ça m'a réveillée, mais c'est quoi ce manque de respect? Franchement, j'hallucine. Ce sont des gamins. On se dispute hier, nous on calme les choses, on va se coucher tranquillement, et ils cherchent la merde. J'en ai marre de te répéter plusieurs fois, et gentiment, d'accord, arrête de nous réveiller. Voilà. Parce qu'après, tu t'étonnes qu'on te gueule, mais apparemment, tu ne comprends pas. Tu as 24 ans, 25 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faut te l'expliquer, en fait. Là, pas il y a deux ans, c'est fatigant. D'accord, okay. Et on se lève, on est fatigué et on est sous tension. Voilà comment on commence la journée. Voilà, ça t'amuse de crever un ballon, de nous réveiller dans la chambre. Voilà, fais-le dans ta chambre. Bah ouais, j'avoue que ça m'a fait rire ce matin, ouais. Ah, ça te fait rire, mais moi, ça me fait pas rire, tu vois. Oui, mais il n'y a pas de souci. Ça me fait pas rire. Voilà, donc passe à ceux qui dorment. Parce que non, te réveille pas, on te manque pas de respect. D'accord? Non. Fais de même, s'il te plaît. Ok. Voilà, et franchement, c'est la dernière fois que je te le dis gentiment. Ok. Vraiment, merci. Elle le prend de haut, elle le traite comme un gamin. Sans nous regarder, donc indirectement, elle insinue qu'on est tous des gamins. Donc voilà, c'est la seule adulte dans cette maison. J'aime beaucoup les gens qui ont un fort tempérament, mais là, je commence à être un tout petit peu fatiguée. Ce qui est bien, c'est que voilà. On était tous dans le même délire hier, qu'il n'y en a pas une qui a dit ça va, on a tous rigolé ensemble, quoi. Non, c'est bon. J'ai assez donné. Hein et, histoire que je prenne tout seul et qu'il n'y ait pas de soucis. Pourquoi ils cherchaient à nous pousser à vous, tu le sais? On va les narguer, c'est qu'on va pas rentrer dans leur jeu. C'est ça. Ben ouais, c'est de ta faute, hein. J'ai dit, moi je préviens, j'ai discuté pour 2 heures, j'essaie d'arranger les choses, c'est foutre la merde derrière moi, je me lave les mains maintenant. T'allais faire des plans, on va voir si tu peux gagner. D'accord, d'accord. Je me pose pas trop la question de savoir avec qui je veux être. Ben pour l'instant, je n'ai pas de choix défini, je pense. Voilà, je verrai plus tard, je verrai l'évolution des choses. Vous êtes un clan et un clan, bah à cette heure-ci, pourquoi vous venez nous réveiller? On est que 4. Voilà, je vois pas le rapport en fait. Je vois pas le rapport, va pas éclater ton ballon avec nous parce qu'à cette heure-ci, on a plus envie de te parler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve ça vraiment culotté de leur part de nous réveiller en éclatant des ballons, en mettant des confettis. Waouh, calmez-vous quoi. Au niveau des clans, il y a des gens qui se mettent à part et qui traînent ensemble et sans les autres. Ils sont enfermés tous les quatre dans la love room tous les soirs pendant des heures. Ils se mettent en autarcie, ils se mettent à part, ensemble, ils viennent plus. Je sens qu'il y a clairement des clans dans la maison qui sont en train de bien se former et de bien se définir. Je souhaite que ça s'arrange et que ça ne dure pas. On se parle plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois pas le rapport. Comment en fait. On se parle plus? Non mais quand je dis on se parle plus, c'est un bien grand mot, tu vois. Mais c'est voilà, il y a... Et tu te mets dans le lot? Non, pas du tout, mais franchement, ce matin là, je me suis mis dans le lot, ouais. Avec ce qui s'est passé hier soir, ouais, je commence à prendre parti. Et quand j'ai la chambre rose, ouais, c'est un clan. C'est Anaïs, moi, Alexia, Vincent, Jamel, je sais pas trop parce qu'il est entre les deux, et Julien. Et dans cette atmosphère si déroutante, deux sœurs n'arrivent plus à se retrouver. La veille, Morgane a décidé de changer de chambre pour rejoindre le clan de Guillaume. Et sa jumelle Sabrina a décidé de la suivre. Mais à décision hâtive, s'ensuit inévitablement des regrets. Maintenant, t'as bien dormi ici? Bah ouais. Refais-la. Okay. Après, voilà, moi, tu vois, je l'avoue maintenant, je suis aussi partie de la chambre parce qu'il y a beaucoup de gens qui me critiquent de l'autre côté. J'en ai marre des gens qui me critiquent du matin au soir. Tu comprends ça aussi, Eddy? Ça me fait mal de quitter la chambre rouge. Voilà ce que j'ai dit. Ça te fait mal de quitter la chambre rouge parce que tu étais bien là-dedans. Et je vous aime bien et j'aime bien ma sœur. Donc, tu sais, c'est difficile. Moi, je vais pas influencer tes choix, tu comprends? Mais j'ai rien dit sur ça. Moi, j'ai dit que j'aime les gens de la chambre rose comme j'aime les gens de la chambre le bleu. Donc, pour moi, c'est difficile de changer de chambre. Non, maintenant, c'est sûr que moi, là, je te parle envers ta sœur, tu vois. C'est vrai que je trouve que, et je te le dis depuis très longtemps, et je le dis depuis le début à Morgane aussi, je trouve qu'elle te mène un peu à la baguette, tu vois ce que je veux dire ou pas? Eddy, je la mène pas à la baguette, en quoi je l'ai menée à la baguette, Sonia, s'il te plaît? Moi j'étais la première à le dire, je n'ai pas changé d'avis. Morgane mène Sabrina à la baguette, mais c'est plus une baguette, c'est carrément un fouet. Morgane a voulu changer de chambre hier, et puis elle a laissé le choix à Sabrina, entre parenthèses. Donc c'est...
tu me suis ou non. Donc c'était clair, c'était vraiment la terreur. Entre les candidats et ma sœur, tu vois, j'aime ma sœur comme je vous aime tous ici. Eh ben c'est dur de dire ça, ma chérie. J'aime ma sœur comme je vous aime tous ici. Tu peux pas dire ça. Je sais, Jam. Et est-ce que tu te sentais mieux quand ta sœur était pas là? Faut dire la vérité. Bah tu vois, je me sentais mieux, oui et non. Tu vois, de l'avoir mal, je... Avant que ta sœur soit là, est-ce que tu te sentais mieux? Bah c'était différent, tu vois ce que je veux dire? Ok. Après, aujourd'hui, tu vois, comme hier, je l'ai vu mal, comme plein de jours, moi, je suis mal, tu vois. Ça me fait de la peine pour toi, Sabrina. Vraiment. Et je suis mal pour toi. Ça me rend dingue de te voir comme ça. Elle-même me parle de sport automobile, que c'est un sport où il faut être dur et forte pour des femmes. Et quand tu réagis comme ça, je me dis que t'es pas forte et que c'est pas possible. Quand t'es sur ta moto, tu fonces et là, tu freines. Donc, c'est pas possible. Donc, fonce, ma chérie, et motivation, parce que tu peux être motivée et tu peux dire non à ta sœur. Ça me fait de la peine pour elle. Moi, je dis, tu vois pourquoi je suis venue ici, tu vois. Allez, c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Et dans deux minutes, ne sois pas touchée. Non, mais ça me saoule. Ça, vous comprenez pas. Je suis venue ici, j'ai un secret. Dans deux minutes, ça prend ses valises et ça part. Bah ouais. Tu crois que c'est ma faute? Tu crois que je le veux? C'est bon. Ne sois pas touchée, Sabrina. Voilà, ça commence à devenir une habitude. Ne sois pas touchée. Putain. Morgane, c'est replay. C'est systématiquement le même solo, la même rengaine. C'est Morgane, dès qu'on l'attaque, elle te dit de te taire et elle part en pleurant. Et elle fait beaucoup de chantage affectif à sa sœur. Donc oui, la finalité, on s'y attend. En fait, on compte les minutes qui nous rapprochent de « je me casse ». C'est hallucinant. Il y a des gens, ils disent que j'influence les choix de ma sœur, qu'ils disent elle est pas elle, etc. Alors qu'hier, j'ai jamais influencé son choix. Je te jure, j'ai dit tu fais ce que tu veux. Oui, mais vous êtes sœur, vous avez un lien que personne n'a entre vous. Bah voilà, et là, elle dit devant tout le monde quelque chose qui m'a blessée. Elle m'a dit je vous aime comme j'aime ma sœur. Tu t'en rends compte? Je vous aime comme j'aime ma sœur. Je te jure, j'hallucine. J'ai du mal à la reconnaître. On est jumelles, normalement. On est vraiment liées. Et là, j'avoue que j'ai rien compris à ce qu'elle a dit, à ce qui s'est passé, en fait. Rien du tout. Sab, viens ici. Et ferme la porte quand tu viens, Sab. T'as franchement, je trouve ça hallucinant, Amy. De quoi? Il y a des gens qui disent que je mène au bout et à l'œil ma sœur, etc. Là. Moi, je donne juste des conseils et je comprends pas pourquoi on dit que je l'amène à la baguette. C'est totalement faux, les gens comprennent pas, ils sont confus. Je crois qu'ils sont idiots, en fait. Ils voient pas plus loin que leur bout de leur nez, en fait. Et si les jumelles ne sont pas forcément nées sous le signe des Gémeaux, elles aiment la ritournelle, les calembours et les bons mots. Et la voix va leur donner la possibilité de s'en amuser. Mais ce jeu va vite se transformer en règlement de clan. Ici la voix, à tous les habitants. Voilà maintenant 3 semaines que vous avez intégré la Maison des Secrets et certaines affinités se sont créées entre vous. Mais qui sont vos alliés dans l'aventure et sur qui pouvez-vous vraiment compter? Pour le savoir, 2 équipes vont aujourd'hui s'affronter. L'équipe vainqueur se partagera la somme de 10 000 euros. Afin de constituer les groupes, la voix va nommer les 2 chefs d'équipe. Il s'agira d'une part de Julien et d'autre part de Guillaume qui va se mettre en face. Tu vas mettre des chaussures ou pas? Gauthier, tu veux rejoindre l'équipe de Julien ou l'équipe de Guillaume? Émilie, quelle équipe rejoins-tu? Clara, Morgane. Je vois que les premières personnes partent chez Guillaume, mais bon, ce sont des personnes. Ils sont là. On respire le même air, ils sont autant présents que des murs ou des objets, quoi. Sabrina. Le poteau, Julien. Yeah. Alexia. Vincent. Light inutile comme pour un mec inutile comme d'hab, quoi. Eddy. Anaïs. Julien. Bambina. Sonia. Eh ben, je sais pas. Guillaume. Oh, choquée. T'as pas le droit de nous faire ça, par contre. T'as vraiment pas le droit. Elle a osé, elle a eu chiche. Carrément. Demi-tour à gauche, elle est allée dans l'équipe à Guillaume. Bravo, Sonia. Oh, choquée. C'est pas moi. Et Jamel. Je suis
Allez. Sonia, quand on est trop entre deux chaises, on finit par faire le grand écart. Je sais pas où ça va la mener. Moi, je suis très inquiet pour mes mères. Bon, j'espère qu'elle va pas en pâtir la semaine prochaine pour les nominations. Je savais que ça allait jacter, donc je l'ai fait en plus par pure provocation pour dire voilà, vous m'avez tourné le doigt à un moment donné, bah je vous fais la même chose. Parce que grosso modo, moi j'ai pas envie de les suivre comme des toutous quoi. 3, 2, 1, c'est parti! Des applaudissements nourris pour Jamel et Vincent. Un point pour leur équipe. Waouh! J'ai gagné. Je suis content, je suis trop content, j'en peux plus. C'est la première épreuve, fallait la gagner et voilà, c'est fait. Les deux candidats devront mettre une noix de coco entre leurs nombrils. L'objectif étant de faire remonter cette noix de coco jusqu'à vos bouches sans utiliser vos mains afin d'effectuer un baiser coco. C'est gagné pour l'équipe de Guillaume. Yes. J'ai remporté la deuxième épreuve du baiser coco avec Guillaume. Wouh. Et c'est au tour de l'épreuve traditionnelle des chaises musicales que vous devrez combattre. C'est parti. Mais non, mais là, ils ont les cartes en masqué. Allez, putain. Gauthier, au revoir. Et c'est reparti. Tranquille, tranquille. Bim. Au revoir, Vincent. Chenel. Parle pas trop, Guillaume. Hein, Chenel. Vincent, vous voulez jouer au plus fort? Pas tout. Mais parle bien aussi. T'inquiète, c'est pas avec l'intelligence que tu vas gagner. Mais non, mais moi je parle, j'essaye de. Tout à l'heure, je dis ouais, arrêtez, c'est bon, y'a pas de mauvais perdant, j'entends Chenel. Il parle pas avec moi. Chenel, épaulé là, épaulé. Tu t'es assis sur Chenel. Pour l'instant, j'ai la plus grosse cagnotte, donc Chenel aussi sur moi. Pas d'histoire. Ne rentre pas dans son jeu, il est débile. Guillaume est toujours à fond dans tout ce qu'il entreprend, c'est tout à son honneur. Maintenant, voilà, il essaye de charrier. Moi, j'ai pas répondu. Je préfère nier. Je préfère, voilà. C'est le silence est le meilleur des mépris, je pense. Ça s'appelle une victoire. Bim bam boum. Victoire, ma gueule. Bravo. On a gagné quoi? Le coup de cul de ouf. La puissance. Eh bien, félicitations, bravo, puisque l'équipe de Julien a triomphé de cette épreuve et marque un point supplémentaire. Ouais, c'est vrai qu'il est à fond et puis bon, bah, être à fond apparemment, même en étant à fond, il n'arrive pas à nous battre, alors ça va être dur pour lui dans l'aventure. Devant vous se trouve une centaine de paires de chaussettes dépareillées. Vous disposez de 2 minutes pour reformer les paires. L'équipe qui aura le plus de paires de chaussettes remportera ce dernier point. 3, 2, 1, pour 2 minutes, c'est parti. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, on ne touche plus à rien. Avec un total de 27, vous l'avez compris, Alexia, tu permets à ton équipe de remporter ce point. Alors, qui c'est qui se prend une quenelle? Ben, j'ai envie de te dire, mon pauvre, qui c'est qui se prend une quenelle? Où vont les 10 000 euros dans nos cagnottes? Donc il reste à sa place et qu'il arrête un petit peu de trop nous chercher. Parce qu'il commence vraiment à me fatiguer, Mr. Smile.
Lorsque je gagne ce genre d'épreuve, voilà, ça me rend fier. On gagne 10 000 euros, c'est pas anodin non plus. On les bat, je pense que ça les énerve. Et je pense que oui, c'est ça qui me plaît le plus en fait. C'est de savoir que ça les énerve. Mais cette victoire a un goût amer. En temps de guerre ouverte, le moindre faux pas est impardonnable. Sonia a fait un choix, celui du clan de Guillaume. Elle les a donc trahis, et le fidèle chevalier Eddy ne va pas tarder à ouvrir une nouvelle bataille. J'aurais cru que t'aurais choisi ce jeu. Demain, est-ce que t'as fait, c'est plus quoi. Ah mais c'est parce que pour ça que tu m'en veux. Bah ouais, un peu quoi. Ah bah si, si, y a on est en minorité et t'es pas... Non, on était 7-7. Ah non, on était pas 7-7. 7-7, bien sûr que si. Ok, d'accord. Mais bien sûr que si. D'accord, si tu veux, Julien, tu te doutes de la sincérité de Sonia, ce qu'elle a fait là ou pas? Ouais, un peu quand même, on est bien d'accord. C'était les clans, moi. Ok, c'est d'accord. Ça, si tu es comme ça, c'est pas grave. Maintenant, moi, sincèrement, je doute de ta sincérité. Ah, moi, il n'y a pas de. J'ai la crampe. Ici, j'ai appris à faire attention et à être moins naïf. Maintenant, je me méfie de Sonia et je vais encore plus avoir mon troisième œil, sincèrement, voilà, envers les gens. Et Sonia m'a extrêmement surpris. Eddy, y a pas d'embrouille. Hein. Moi, j'ai pas de clan attitré, c'est ça le problème, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Moi, j'ai pas de clan attitré, on était 7-7, c'est tout. Hein. Okay. Attends, je suis quasiment tout le temps avec Julien, avec vous. Voilà. Après, moi, j'ai voulu aller voir un peu le clan à côté pour voir si on pouvait gagner, c'est tout. Hein. On n'est pas en train de faire la guerre. Hein. Je vois pas pourquoi tu me fais une embrouille. Hein. Franchement, des bébés de 3 ans sont plus évolués. Quoi. Donc voilà, moi, comme je marche pas dans ce jeu-là, eh ben, je préfère être neutre. Donc voilà, j'ai pris le Guillaume comme j'aurais pris Julien demain, comme après-demain je reprendrai Guillaume, et ainsi de suite. Non, je suis déçu juste. Pourquoi? Parce que. Oh là là. T'es déçu parce que je suis partie avec leur équipe, ouais. C'est vraiment gamin ça. C'est pas un gamin. Ouais, tu nous traites de gamin, Eddy, c'est pas cool parce que c'est ça. Est-ce que tu parlais même? J'ai parlé de gamin toi, avec toi? Bah oui, tu viens de dire gamin. Non, j'ai dit c'était. Non, j'ai dit peut-être que j'étais un gamin. De mettre maintenant, je t'ai pas parlé à toi, j'ai pas parlé de toi. Non, mais sérieusement, j'ai pas parlé de toi. Je parlais à Sonia et je parlais de Sonia. Donc évite de venir encore une fois, tu vois, parce que j'ai pas. Me mêler de ce qui me regarde pas, c'est bon, vous allez pas me faire tous la morale, je m'en bats les. Évite de cette ton avec moi, d'accord? Mais je saute le ton si je veux. Non, non, t'es pas le ton avec moi. Sonia n'appartient pas à un clan et il faut arrêter de péter un câble parce que Sonia rejoint l'équipe de Guillaume et pas l'équipe de Julien. Voilà, c'est ça vole pas très haut, quoi. C'est dommage d'être dans une polémique comme ça. Franchement, je suis déçue. Quoi. Et tu t'en vas, Eddy? Ouais, je m'en vais. Ah bah écoute, c'est bien. Je m'en fous carrément de ce qu'elle me dit. Sonia va faire copine avec tout le monde, t'inquiète pas, Sonia aussi, elle a pas des nominations. Ouais, bien sûr. T'inquiète pas. C'est bien pour elle de faire copine avec tout le monde et montrer que même si elle parle avec notre clan, elle peut aussi aller aider l'autre clan. Donc je pense qu'il faut beaucoup se méfier de Sonia, je pense. Moi, j'ai pas à choisir, comme je n'ai jamais choisi, parce que voilà, j'aime autant Julien que j'aime Guillaume, que j'aime... Voilà, ben, voilà, il y a des gens que j'apprécie, c'est tout, j'y parle. Voilà, maintenant j'ai pris ce groupe-là parce que voilà, comme ça, si on me le reproche, ils vont me le reprocher. Tu regrettes ? Non, je regrette pas. Je regrette jamais mes choix. Moi, j'ai connu ce que c'était que des clans, j'ai connu ce que c'était que des guerres. À cause de quoi ? À cause de conneries comme ça. Et de voir ça, je suis déboussolée. Et de voir que le monde ne changera pas parce qu'il y a des gens qui ont 20 ans et qui sont pas capables de dire qu'on peut être des électrons libres, ben c'est déplorable. Oui, c'est sûr. Je suis pas en guerre, moi. Putain. Mais les larmes viennent plus souvent des yeux que du cœur. Ce cœur qui s'échauffe et qui bat sans crier gare pour une personne qui vous regarde d'amour ou d'amitié. Les esprits s'apaisent et rien de mieux qu'un tour en chanson pour retrouver les paroles qui nous permettent de dire des choses qu'on aurait du mal à avouer sans mélodie. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. J'adore cette chanson, j'adore Serge Gainsbourg et on va clairement dire que Gauthier, c'est mon Clyde, rien qu'à moi.
et que je suis ta petite bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool car, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Dans cette maison, Julien, tu es le seul qui m'aille. Je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down, oh no. I am beautiful in every single way. His words can't bring me down, oh no. Hey. Don't you bring me down. Le chant et la musique, c'est juste toute ma vie. La musique et le chant, ça remplit mon âme et tout mon esprit depuis toujours, depuis mes plus lointains souvenirs. J'ai toujours chanté. Voilà, je suis habitée par la musique du matin au soir et du soir au matin. We are beautiful in every single way. His words can bring us down. Oh, oh, oh. Don't you bring me down. Je reconnais qu'elle chante bien, mais c'est bon, au bout d'un moment, moi, ça me gonfle qu'elle chante sans arrêt. Il va falloir qu'elle se calme ou qu'elle change d'émission, je sais pas, mais voilà, c'est, ça devient relou à force. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Même si c'est pas mon style de musique, on passe une très bonne soirée avec le smile et c'est cool et c'est fun. Je kiffe grave. J'ai trouvé le sens de la vie que je mets et je l'ai. Yeah. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mets et je l'ai. Avec Alex, nous sommes les reines de la soirée. Pas de voix, voix vide, micro plein. On a tout donné. Même la Florine, on l'entendait pas. C'était génial, j'ai adoré m'amuser, j'adore chanter, même si je chante super mal, mais j'adore chanter. Grosse ambiance, choré pleine, clan adverse vide, comme ça sur le canapé, je peux vous habiter. Super soirée! Et tu danses, 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 c'est ta façon d'aimer. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Te plaît! Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Le rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la vie. Et bien, on se le sourire en allant de folie. Cette soirée karaoké, ça nous permet d'évacuer, d'oublier les clans, les tensions, parce que tout le monde chante avec tout le monde danse avec tout le monde. Et non, c'est génial. C'est au tour de Sonia de rentrer en scène. Il y a quelques jours, elle a reçu une mission secrète. Pour 10 000 euros. Ah ouais, quand même. La voix te donne une semaine pour passer à l'attaque et tenter de séduire Vincent. Et elle va se servir de la soirée pour se dévoiler complètement auprès du séduisant Vincent. Les projecteurs sont allumés, les micros en place. Il ne reste plus que le choix de la chanson à trouver. Allez, allez, tout le monde debout, la dernière chanson.
En fait, il faut que je te parle. Et en fait, j'ai craqué sur toi. Ça me touche. C'est vrai? Oui, c'est très flatteur. C'est très bien que tu es une très belle femme, ce que je pense. Et que voilà, c'est très gentil. Je suis très flatté. Voilà, je suis même gêné. Je t'en remercie. Et voilà. La guerre des clans a débarqué dans la maison. Et dans le Secret Quiz, eh bien, on fête l'arrivée des soldes. Alors, pour remporter le week-end de shopping, tout frais payé plus 2000 euros en jeu cette semaine. On écoute attentivement la voix, s'il vous plaît. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Quel est le secret de Morgane et Sabrina? Est-ce 1, nous sommes sœurs jumelles, ou 2, nous sommes les pires ennemis? Appelez le 3980 ou envoyez un ou deux par SMS au 7-13-13. C'est tout pour le moment. Merci infiniment, la voix. Des enquêtes relancées, des embrouilles corsées et des secrets pourchassés. C'est après quoi? La pub, bien sûr, à tout de suite. C'est la suite de Secret Story et du premier vendredi pour nos candidats sans élimination. Et oui, vous le savez, Ben est parti, les nominations étaient annulées, ça s'annonçait tranquille et pourtant la guerre des clans est déclarée. Après presque un mois d'aventure, ça y est, la maison est coupée en deux, entre ceux qui dorment dans la chambre rose et ceux qui dorment dans la chambre bleue. Franchement, autant vous le dire, c'est pas le grand amour, non, non. Et même à l'intérieur des clans, eh bien les alliances sont fragiles. Bref, la soirée karaoké tombe à pic pour calmer les esprits. Pas sûr en revanche que ça fasse du bien aux oreilles. Eh oui, on peut pas tout faire. Hein. Sonia est en mission secrète. Elle doit montrer aux yeux de tous qu'elle apprécie plus que tout Vincent. Et rien de tel qu'un petit flirt avec lui pour faire n'importe quoi. Je pourrais me donner pour un simple petit volet. Bon, elle est très explicite dans ses regards. Ça m'a mis mal à l'aise, en fait, parce qu'il y avait des petits bruits de couloir venant de la bouche de Alexia ou Anaïs me disant que Sonia était intéressée. Bon, bah, apparemment, il s'avère que elle avait pas des regards. Le même genre de regard qu'elle tient pour Gauthier ou Guillaume. Donc voilà, c'était très persistant et en voulant me faire passer un message, comme quoi les paroles qu'elle chantait, peut-être qu'elle voulait retranscrire. Envers moi. Pour un flirt avec toi, je ferai des folies pour arriver dans ton lit. Pour un flirt avec toi. Elle, ça m'énerverait quoi de me dire, attends, la meuf elle a 36 ans et en gros il aime ça alors que, je sais pas, il a plein de filles assez bien, assez jeunes de son âge. Mais bon, le doute est toujours là, c'est sûr. On verra s'il rentre dans son jeu, comment... Après, tout peut se passer, on est sûr de rien. Donc, on verra. Un petit jour, entre tes bras. Pour un petit tour, un petit jour, entre tes bras. J'essayais de pas rire. Pendant que je chantais, j'essayais de garder mon sérieux, j'évitais de le regarder droit dans les yeux parce que je me suis dit je vais partir en fou rire total. Et d'un autre côté, bah, fallait que j'essaye de le séduire, mais bon voilà, c'est marrant. Franchement c'était marrant. Ouais. Un petit tour, un petit jour, entre tes bras. Regarde, regarde. Elle est sérieuse? Apparemment! Pas de mission! Je suis abasourdi, si on peut dire ça comme ça, sincèrement. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Voilà. Elle me déçoit encore plus. Je vais vraiment
mettre le paquet avec Vincent pour que ça fonctionne. Maintenant, effectivement, s'il accepte, s'il accepte, ce que je serais fortement étonnée, je suis dans la merde. Ouais, vas-y. Ouais. En fait, il faut que je te parle. En fait, j'ai craqué sur toi. Ça me touche. C'est vrai. Ouais, c'est très flatteur. Si c'est vrai, ce que j'espère, parce qu'on joue pas avec ce genre de choses. Parce que imaginons que moi, j'aurais été pas insensible aussi à ton charme et qu'il y ait des sentiments qui soient rentrés en jeu. Là, je peux t'assurer que je t'en aurais voulu. Donc, j'espère pour toi que c'est vrai. Même si j'ai pas de sentiments ou quoi au caisse. Maintenant, voilà, tu sais très bien que t'es une très belle femme, ce que je pense. Et que voilà, c'est très gentil. Je suis très flatté. Voilà, je suis même gêné. Je t'en remercie. Et voilà. Ah non, faut pas être gêné, justement. J'ai pas envie qu'après. Non. C'est normal. D'accord. Très bien. Même si je lui plais ou qu'elle veut quelque chose de plus, ça changera rien du tout. Je serai pas mal à l'aise. Mais bon, voilà, ça s'arrêtera là. Je ne veux pas d'un flirt avec toi, Sonia. Allez, on se quitte avec La Maison et rendez-vous demain pour La Quotidienne à 17h50. Et surtout ce soir à 22h50, ce sera la soirée de toutes les tentations. Les habitants ne le savent pas encore, mais ce soir, ils seront tous nominés. Non pas pour sortir, mais pour intégrer la pièce secrète. Vous serez au cœur de cette grande supercherie, car c'est vous qui déciderez qui rejoindra la pièce secrète. Alors, comment vont-ils réagir? Feront-ils les bons choix? Vous serez tout, 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 tout à l'heure. C'est donc presque tout pour le moment. À tout à l'heure. Et là, moi j'aime ça. Je suis là pour ça, moi. Allez, hey, pam, 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 pam. Yes.